Bonjour, Nathalie Sautron de la société Action Intérim. Donc, j'ai intégré cette société depuis 2004 sur un poste sédentaire donc, au recrutement. Et au fil des années, donc maintenant depuis 2011, je suis sur un poste commercial basé bien sûr dans le BTP au départ. Puis maintenant, commercial sur toute la partie tertiaire, industrie, manutention, cadre. Donc, cette société donc, Action Intérim a été créée depuis maintenant 24 ans. Donc, Intérim, oui, avant ça s'appelait. C'est la première société de travail temporaire implanté sur l'île. Donc société, on va dire, créolisée qui a grossi au fil des années, donc avec une agence. Et maintenant, nous en avons cinq agences physiques. Et dans cinq agences, nous avons d'autres agences. Et au total, aujourd'hui, nous avons 8 agences de travail temporaire. Donc actuellement, nous recherchons un chargé d'opération donc pour un poste en CDI, donc à pourvoir dès maintenant. Donc un chargé d'opération avec des connaissances, une expérience dans le bâtiment. Donc quelqu'un qui a un bon sens relationnel, qui sache bien sûr préparer une réunion de chantier. Quelqu'un qui est communicatif, avec le sens du terrain également. Donc quelqu'un aussi qui sache gérer administrativement un dossier de chantier. Donc prendre un dossier pour la préparation de chantier de A jusqu'à Z. La personne retenue sur ce poste percevra un salaire d'environ de 2200 voire 2600 en fonction bien sûr de son expérience. Tout est en fonction du profil de la personne qui sera retenue sur le poste. Bonjour, je m'appelle Capron Damien, j'ai 23 ans, je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi, de préférence dans le multimédia. Je suis en informatique à l'Université de La Réunion. J'habite actuellement sur Saint-Denis, j'ai le permis de conduire. Je peux me déplacer dans le nord et l'ouest de l'île. Pour ce qui est de mes diplômes, je suis actuellement titulaire d'un bac S, sciences de l'ingénieur, d'un C2I, qui est une certification informatique, et je termine actuellement ma troisième année de licence en informatique. Pour ce qui est de mes expériences professionnelles, j'ai pu acquérir quelques expériences dans l'entreprise de mes parents, notamment en m'occupant du parc informatique de l'entreprise. Et grâce à l'université, j'ai pu acquérir quelques compétences en développement web. Pour ce qui est de mes qualités, je pense pouvoir m'adapter rapidement, accepter les imprévus et y faire face. Et je peux aussi, grâce au programme de la fac, pouvoir parler anglais et suivre des directives écrites en anglais. J'aime les sports collectifs, le monde du multimédia et je suis à l'écoute des autres. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter. Bonjour, je m'appelle Cédric Tarracona, j'ai 24 ans, je vis à Saint-Paul. Le métier que j'aimerais faire, c'est développeur web. Alors ma formation, j'ai fait un bac STI génie électronique, ensuite un BTS système électronique et ensuite une école d'ingénieur Epitech à Bordeaux. J'aimerais travailler dans toute la Réunion, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Benoît, ça me pose pas de problème parce que j'ai le permis, j'ai une voiture et travailler en France aussi me poserait pas de soucis. Je suis quelqu'un de très polyvalent, je m'adapte à beaucoup de situations. Durant mon école d'ingénieur, on nous apprend beaucoup à travailler en équipe. Je pense que c'est quelque chose de très important dans une entreprise. Je suis quelqu'un de très sportif, j'ai fait du football, j'ai fait du volley, j'ai fait de la boxe, je fais du football freestyle, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai effectué un voyage linguistique en Australie de 6 mois, ce qui m'a permis de développer mon niveau d'anglais. J'ai un niveau d'anglais très convenable. Pour conclure, je dirais que je suis quelqu'un de très dynamique, je m'adapte très vite. J'espère que mon profil vous intéressera. Merci, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Duchemin Olivier, j'ai 30 ans, je suis titulaire du permis B, j'ai un véhicule, je peux me déplacer, j'ai 2 enfants et je recherche le métier de coffreur brancheur. Je suis titulaire du bac Action Communication Commerciale que j'ai obtenu en candidat libre. Par la suite, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales en alternance avec l'entreprise du McDonald's. Dans le commerce, dans un premier temps, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un emploi. J'ai dû me reconvertir assez vite dans le bâtiment où j'ai trouvé vraiment ma voie. Dans le cadre d'un recrutement GTOI, j'ai suivi une formation théorique de 2 mois. Ma formation datant de 2008, j'ai pu m'essayer à plusieurs métiers du BTP comme coffreur-bancheur, ferrailleur,
polyvalent, endurant, organisé. Je suis également père de 2 enfants en bas âge, ce qui me motive d'autant plus à me déplacer sur toute l'île. N'hésitez pas à me contacter. Contactez-nous sur notre page Facebook www.facebook.com/974tv ou par téléphone 0262 92 37 60. Le 74CV, votre émission au service de l'emploi à La Réunion.